de Disney pour Click Clap. Merci. Et aujourd'hui, nous allons traiter ton Disney préféré. Oui, le Roi Lion. Est-ce que c'est ta musique préférée dans le Roi Lion? Je dirais pas en fait que j'ai une musique préférée dans le Roi Lion. C'est vrai, tu nous l'as déjà dit que c'est un ensemble. Voilà. Et donc, on va regarder. On sait d'avance qu'il y aura peut-être pas énormément de choses parce qu'il y a pas beaucoup de personnages et c'est des animaux, donc il y aura peut-être moins de têtes déformées. Ouais. Mais on sait pas. Des fois, donc on est parti pour Je voudrais déjà être roi. De Simba, Nala. De Simba, Nala et Zazu. Est-ce qu'elle chante dedans? D'une oui, ou deux phrases. Elle chante un petit peu. Et à la fin, il y a les autres animaux aussi. Oui. Eh ben, c'est parti. C'est une nouvelle tradition. Pas tant que je serai là. Ah, oh, j'ai envie de le regarder. On a vu 3 secondes. Non, mais j'adore tout, les couleurs, les poils. J'ai envie de les toucher. Ouais, mais c'est vrai. Et tu dois faire tout. C'est vrai que là, on se demande ce qui se passe, mais c'est du style, on rentre dans la chanson. Bah, c'est comme dans Le Roi Lion 3, où justement, quand Timon et Pumba sortent, et bah, tout l'intérieur est devenu de cette couleur. Donc. C'est la première fois. Je suis aux toilettes. Je suis Ça, c'est une des images les plus connues de tout Le Roi Lion. À chaque fois qu'il est représenté, il est très souvent représenté avec ça. Et là il fait penser à son oncle. C'est vrai. Il fait penser à Scar. C'est exactement Scar. À la laine vestie dans son Il en tombe. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu ne te mouches pas du coude. Eh ben dites-le nous. Parce que moi je l'ai beaucoup chanté récemment. Tu ne te mouches pas du coude. Est-ce que c'est une expression? Ça doit être une expression, sinon il n'y a aucun intérêt à dire ça. Mais c'est pas une expression, on la connaît pas cette expression. Mais c'est forcément une expression, sinon qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne te mouches pas du coude. Est-ce que ça veut dire qu'il se prétend plus haut que ses fesses et que du coup il faut absolument un mouchoir pour se moucher plutôt que... Pff, je sais pas. Dites-nous. Instruisez-nous. Il faudrait regarder la version originale pour voir à peu près le panneau. Oh, regarde. Oh, il est trop mignon. Vas-y, continue. Des têtes bizarres. Là, c'est trop fort. Les trois têtes sont marrantes là. Je vais te lécher les fesses. Oh non, arrête. Slurp, slurp. Alors là, on peut s'arrêter toutes les microsecondes. Il a les yeux qui bougent dans tous les sens. Le selfie de Nala. Les petites moustaches. C'est de pire en pire, Nala. Hein. Déjà qu'on la voit pas beaucoup. Oh mon dieu. Dieu. Ah, mais là, toutes les têtes. C'est... Ça me fait trop penser aux jeux vidéo. Ah, bah oui. Je sais pas si t'as vu la gueule de l'autruche quand même. Oui. Sauter, baisser la tête. Sauter, baisser la tête. Sauter deux fois. Deux fois. On parle de cœur à cœur. Voilà. Quand on connaît la musique par cœur, c'est facile à voir où le. Nala n'a pas une tête normale, tu me diras. Non, c'est vrai qu'elle on dirait une. Elle a une tête. Une forme girafe. Excellent. Alors là, elle est tombée pile dans un mouvement. Qu'est-ce que c'est que le truc? Ils sont trop chauds. Mais tu te dis, mais qu'est-ce que c'est tous ces animaux en fait? Et un gorille. On n'en voit pas beaucoup. Mais oui. Maintenant que j'y pense. Et les singes. Ouais, ah, c'est ça. Ah, j'avais jamais remarqué que lui il a pas la même tête. Ouais, c'est vrai. On dirait qu'ils vont violer. Bah voilà, bon, c'était pas trop mal. Bon, du coup, on a plus remarqué des petits détails que des faux raccords. On se comprend. Et ben, on se retrouve très bientôt. Hein, pour un clic-clac. Clap. Oh. Tu veux vraiment finir par t'offrir un canapé.